Et voilà, ça doit être tout bon. Donc bonjour à tous ceux qui regardent cette rediffusion sur YouTube. On est parti pour une nouvelle aventure sur Rage 2, pardon. Donc salut Razor, salut Kekelchi. Donc je vais découvrir ce jeu avec vous, comme je fais d'habitude. Alors sous-titres. Ensuite, alors comment ça fonctionne? Alors déjà j'active les sous-titres, ça c'est sûr. De la manette. Alors inverser l'axe Y, désactiver les vibrations, parfait. C'est tout ce que je demande. Alors on va faire normal, évidemment. Bon. Pour la cinématique d'intro, je ne vais pas parler. Salut Tyler Raft. Je vais couper mon micro. Ce monde. Et je vous laisse avec la cinématique d'intro. Allègrement rasé par la météorite nommée Apophis, nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé. Nicolas Rey. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde. Les arches ont émergé. Les écopodes ont dégringolé. Encore immatures. Déversant la vie sur des terres nues. Relançant le cycle de la vie. Comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce. Notre monde est mort dans l'œuf. À cause de cette populace. Naïve et arrogante. Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race. Quelle vanité! Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons œuvré en secret. Nous avons vu leur chamaillerie, leurs insignifiantes petites guerres, leurs tentatives puériles de tirer l'ordre du chaos. Et nous avons grandi. Notre science, notre expertise, tout était aligné. Tout n'avait qu'un objectif. L'élimination chirurgicale des faibles. L'humain, nouveau. Nous broyons leurs défenses. Nous prenons leurs enclaves. À nous les arches. Ce soir, nous rasons leur camp et leur baraque. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité. Ah, on peut choisir son personnage, d'après ce que je vois. Ça a l'air d'être... ça a l'air de partir en couille, tout ça. Je vais prendre la nana, évidemment. Ouais, on t'a déjà fait. Hop. Pistolet. Oh, tais-toi avec ta blague de merde. Je sécurise la porte. Que ça, Walker. Lily, c'est un peu la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevé par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orpheline. J'ai pas de mère. T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Je te l'ai dit, c'est l'assaut final. Ok, alors on fonce dans le tas. Allez, c'est parti. Allez. Ah mais d'accord, c'est la guerre et j'ai une petite arme de merde, ok. J'arrive. Merde. What the fuck. Casse-toi toi. T'as eu chaud?
Même pas. Ça va être dur de garder le compte. Les chiffres, c'est pas mon truc. Walker, rejoins-nous dans la cour. Tout de suite. On arrive. Oula. Lily est avec moi. Jersey est mobilisé pour avertir les autres camps. Ils doivent être informés. Ça doit pas rigoler, alors. Je viens d'entendre ça à la combox. C'est la plus grosse partie. C'est quoi ça? Ramasser des piles de filtrés sur les cadavres pour régénérer... D'accord. C'est pour la vie, ok. Alors on y va. On va aller se chercher une jolie médaille. Oula, d'accord. Ok. Il y a des espèces de... C'est quoi ces créatures moches, là? C'est là que ça castagne le plus. Oula, c'est quoi ce gros machin, là? Pas de chance. Putain, oh, il a arraché la tête. Oh putain. Par contre. Adieu, Ranger Jersey. Il se remettra pas avec un pansement. Par contre, vu la violence, il faudrait que je fasse attention de. Que le jeu soit. Que je me fasse pas ban par Twitch parce que. Vu que j'ai mis mes lives en tout public. Il y a encore plein de petits bouts de Jersey là-dedans. Ouais, un petit peu. C'est notre seule option. Mais après, c'est les mêmes développeurs, je crois, c'est Idle Software. Ouais, c'est encore mieux que ce que je pensais. D'accord. Ok. Ellie, j'ai besoin de toi au garage. Walker, ramène-toi. Ok. Ah, oh, enfin, une bonne arme quand même. J'arrive. C'est... Il y a des gros vilains pas beaux. Et je me trimballe une arme de merde. Allez, casse-toi toi. Ben, vu que mon live est tout public, j'ai peur que je peux avoir des soucis avec Twitch. Parce que, vu que... Parce que j'ai pas mis le live en... public averti. Avec la violence qu'il y a. Maman a tout fait pour que j'aie jamais enfilé cette armure. Mais dans le doute... Déjà ouais, attendez, est-ce que je peux pas modifier ça maintenant? Parce que j'ai pas trop envie de prendre de risques non plus. Non. Ah oh, putain, il faut que je fasse des machins. L'item. Merde. Bon, tant pis, je vais laisser comme ça et on verra bien. Tu es la plus jeune ranger de l'histoire. Ces conneries de la nôtre. Ah, accroupir, ok. Ok. D'accord, en violet c'est les ennemis et en bleu c'est les alliés. Ah bah du coup tu as une petite semaine de vacances. Ça. Je m'en doute que enchaîner 6 jours ça doit être un peu fatigant. En plus t'étais du soir je crois. Donc ça doit être fatigant en plus. Qu'est-ce que tu fous?
Éloigne-toi. Une seconde, Walker en approche. Bon, moi j'avance en... Hop. De ce qu'on a appris voilà. À l'académie sur les armures de Ranger. Une fois chargé, tu peux activer l'overdrive et déchiqueter tes ennemis. Ouais, overdrive. What the fuck? C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que tu trouves? What the fuck? Alors. Oui, c'était très fatigant. Non, hier, j'étais du matin, mais j'avais fait du soir toute la semaine dernière. Et du matin, hier, j'étais KO hier soir. Bah, je m'en doute. Allez, prenez ça dans le... prenez des grands dans la tranche. Allez, hop. Voyons voir l'escalier. Oula, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il ne faut plus de tireur au poste de combat ouest. Allez hop. C'est vraiment du pur Doom-like, hein. Où en est le Ranger Jersey? Ma chère tante Prolet, héroïne de guerre décorée, Ranger, modèle, surtout pour Lily. Elle m'a recueillie à la mort de mes parents. La mère la plus vache qu'une orpheline sauvage puisse souhaiter. Walker au rapport, viens là! C'est l'armure de Jersey. Jersey. Elle a l'air sympa, elle. Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi faire son boulot. C'est quoi ce bordel? Moi, de mon côté, j'ai continué à squatter le Pokémon Donjon Mystère sur Switch, qui était sympathique, enfin, qui est vraiment sympathique pour le coup. Et j'ai fini la première phase, là tout à l'heure, la première phase de l'histoire, enfin l'histoire principale. Donc il me reste plus qu'à faire des trucs secondaires. Chef maléfique de l'autorité maléfique, notre croque-mitaine. Il a une sale gueule, lui. Pour faire peur aux pestes comme moi. Je sais pas si après ça, je résiste bien niveau mental car je travaille avec une bonne ambiance. Ah bah dans c'est ce qu'il faut. Je te laisserai pas. Même si c'est, même si physiquement c'est dur, mais si s'il y a une bonne ambiance, c'est déjà bien. Parce que pour moi, il n'y a pas pire qu'une mauvaise ambiance dans une entreprise. C'est moi, et alors épargner les premiers archéens pour faire des expériences. Mais pour toi, je attends, je suis allé chez le coiffeur et j'ai renvoyé mon PC au... au serveur, tu veux dire? Et je suis allé à Carrefour et rendez-vous pour une station pour le vaccin Covid. Ok. Ah oui, mais toi, mais du coup, vu que c'est vrai que tu travailles dans une maison de retraite, tu dois avoir le vaccin, tu es obligé de faire le vaccin. Ah, service après-vente. D'accord. Ah mais oui, mais je suis con.
dégager. Attends. Putain, j'étais plus dans les vapes. Ouais, je sais. Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. Sinon, comment vont les deux zigotos, là, qui viennent jamais sur mes lives? À peine 20 survivants. On déblaye encore les ruines. J'ai vu Prolet. Crossil. Il l'a tué. Il a tué ma mère. Je sais pas comment. Mais on doit les arrêter. Et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré. Mais ça, malheureusement, le problème. C'est le problème en France. On se dit. On est contre tout. Et on doit y faire quelque chose. Maman savait quoi faire. Les rangers. Non. Les deux zigotos, je. Des rapports. Ce sont des potes à Tyler, Raft et moi, voilà. En fait. Y a que les rangers qui ont le droit d'y aller. Regarde-moi. Et il sait de qui je parle. Je suis le dernier ranger. Oh merde. Mais ouais, t'as raison. Oh, il commence à me pomper l'air. Ok, ça y est, ma mère elle s'énerve parce qu'il y a les chats qui arrêtent pas de faire les allers-retours. Ah bah, ça change pas. Et du coup, pour le vaccin, t'es obligé de le faire, je crois, vu que t'es travaillé en EHPAD. La place de la femme, c'est la cuisine. Oh, il m'a bien fait rire, lui. Unité des crapahuteurs, Caporal Walker. Je suis venu chercher des infos sur Matt. Sur le sergent d'unité de Ranger Ervin Aprolet. Ah, d'accord. Mais tu vas le faire, du coup. Walker, si tu vois ce message, ça veut dire qu'on a subi une attaque d'une ampleur jamais vue. Je suis sûrement morte, et Vinelaine doit être en ruine. Ça veut dire aussi que tu es le dernier ranger en vie, que l'autorité est de retour, et qu'on doit les arrêter. Pendant toutes ces années, j'ai tenté de t'éloigner des rangers, pour que tu ne périsses pas dans une attaque comme celle-ci. Bah je pense que oui. Tu me diras comment ça a été. Désolé de te l'avoir caché. Tu as maintenant un accès total à l'arche originale de Vinelaine et à sa technologie. Cette bonne vieille glacière. Imagine passer des siècles là-dedans. Moi, tes parents, tous les originaux, congelés comme des bâtons de glace. C'est de là qu'on est sorti pour détruire l'autorité. Il y a un distributeur d'idées. Bah, de toute façon, pour l'instant. Cet appareil amplifiera les nanotrites dans ton sang pour te donner. Eh bien, des super pouvoirs. Je ne vois pas comment le dire autrement. Entre dans l'arche et attaque-la. Voyons quel genre de surprise tu me réservais, feu Prolet. Elle est peut-être morte, mais elle me donne toujours des ordres. À la cuisine. Veuillez approcher du scanner de sécurité. Scanner de sécurité terminé. Bienvenue dans l'arche 401A. Ah, c'est bien ça, cuisine, trop bien. De toute façon, alors je dois juste tu dois bien manger à mon avis. Humidité
Ah ouais, tu... Ça te plairait pas d'avoir une copine gameuse? Bon, ça me gênerait pas en soi. Après, de toute façon... De toute façon, du moment que j'ai pas une copine cassos qui regarde les anges, les Marseillais ou je sais pas quoi, y a pas de problème, hein. Ok, d'accord. Ok. Attendez. Ouais. Attends. What the fuck? Ah, d'accord. Ok. D'accord, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Vous entraîner à utiliser la ruée qui permet d'esquiver les attaques. Alors, on va monter. Refaites-le. Oula, vous. Allez, viens là. Bien. Vous avez terminé votre entraînement à la ruée. Ok. D'accord. Bah, c'est nickel. Alors, je vais lire vos commentaires. Oui, voilà, non plus, je veux pas une copine cassos, c'est une personne. Non, je... Après, ça dépend... Oui, ça dépend des personnes. Ouais, c'est effectivement, Kekeshi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quand même bizarre. C'est le fléau, les anges, c'est le fléau du 21e siècle. On me dit que dans l'oreillette, que certains sont morts. Regarde ça. Excellent Razor. Oh là là. Si Lily est toujours en vie, elle te sauvera la mise plus d'une fois. Il existe d'autres compagnons, des gens dont tu n'auras entendu que des rumeurs. À la fin des guerres de l'autorité, certains d'entre nous, les résistants, avancent. C'est pire que le Covid, ça commence par tes neurones petit à petit, et après tu finis comme Homer Simpson. Peut-être pire qu'Homer Simpson pour le coup. En bas, faut bien rire. Quand même. Tout d'abord, John Marshall de Gunnarin, un vieux soldat coriace et bourru qui mena le premier combat contre l'autorité. Personne ne saisit l'importance de la technologie et de l'espionnage autant d'années. Il pourra t'aider à échapper à la vigilance de l'autorité. Ah ben là, oui. À part sur les sites de rencontres. Mais comme je t'ai dit, Tyler, va sur Bazookan. Là, tu vas pouvoir faire des rencontres. Alors, attends, faut aller où, là? Oh! Intéressant. Ouais, mais attends, tu veux que j'y aille où, là? Ils m'ont enfermé ici! Le processeur de ton armure possède des rapports qui répondront à... Ok. Bordel. Tu penses qu'on va lancer tout ça comme ça et disparaître? Hein? Tant de prolets? Bon. Bah, je suppose que c'est à moi de jouer maintenant. D'accord. Ok, on a plein de missions à faire.
C'est Rage 2, un FPS bourrin. Lily, je dois trouver trois personnes. John Marshall, le docteur Gvasir et Louza Magar. Ils font tous partie du plan élaboré pour arrêter l'autorité. Le projet DAG. Ok, c'est costaud comme commande. Ouais, même depuis l'au-delà, ta mère déconne pas. Trop tôt, Walker. Désolé, Lily. Mais bon, je suis prête à explorer le Westland. Je crois que j'ai pile ce qu'il te faut. Viens me voir. T'as trouvé quoi? J'ai beaucoup d'idées, de projets. Et avec ton aide, on devrait réussir à les faire décoller. Ta survie en dépend. On va commencer par ta caisse. Ok. Alors, voyons voir. Base. Ok, ils ont mis un système d'arbre de compétences. Ça, on trouve ça très souvent dans les jeux vidéo maintenant. Borderlands, j'ai déjà joué, mais je suis pas fan. Ok. Changer d'apparence. Bon, ouais, ouais, c'est comme ça. Just Cause 4, je l'ai pas encore fait, mais j'ai fait le 3. Qui est franchement pas mal du tout. Tu veux un... Attends. Attends. Ok, d'accord. Attends, en voyant ton commentaire, Tyler, je parie un gros troll. Qui veut un petit cyberpunk à 40 ans en promo à Carrefour, même les jaquettes et bugué, lol. Je l'ai même pas pris, j'attends que le PC soit réparé. Mais tu sais ce qui serait mieux pour Cyberpunk, pour les versions PS4 et Xbox One? Quand ils seront à 10 balles, là à ce moment-là, il faut les acheter tout de suite. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que il y aura prochainement des mises à jour. La route est barrée, parce que de toute façon, chaque jeu aura des mises à jour. C'est une embuscade, c'est sûr. Oula, d'accord, il y aura les mises à jour, le jeu sera mieux optimisé, et à ce moment-là, le jeu montera de cote. Parce que les gens vont commencer à dire, bah putain, on va pouvoir jouer à Cyberpunk. Merde, comment on t'attaque là? Je peux pas attaquer avec la bagnole? Attends, comment j'attaque avec la bagnole? Ah, d'accord. Oh, d'accord. Aïe! Walker, je suis brûlante. Attends, la voiture parle? J'ai rêvé. What the fuck? Personne. Allez, meurs toi. Avec ta gueule de punk. J'ai pas fait gaffe le bout de cerveau. Bah, de toute façon, vu que le jeu il est assez hardcore, un peu comme un Doom, faut pas s'attendre que ce soit un jeu type oui-oui. Hein. Oula, ok. Voilà. Ça sent les ennemis. Oula, what the fuck. Attends. What the fuck. Faut aller où, là? Ça doit pas être là. Le problème c'est que vu que, alors ça c'est un problème avec ma télé, vous le voyez pas dans le stream, mais moi j'ai souvent des soucis d'affichage. À mon avis ça vient de ma télé, mais en fait j'ai un affichage beaucoup trop grand. Donc, du coup je vois pas certains trucs. Alors qu'est-ce que vous dites? Un bout de cerveau qui dit: oh, toi, t'as allumé la télé, t'as mis les oreilles.
La voie est libre. Ouais, l'Alliance va adorer. Attends, MDR, un bout de cerveau, non. Mais, ah, attends, tu veux dire mais, au lieu de mi. Allô, quoi, la guerre mondiale de 78, on dirait débile. Bon, je vais rien dire. Une télé 4K. Ouais, pour l'instant ça va, t'inquiète pas. C'est pas comme si ma télé elle merde, hein. C'est juste un problème d'affichage, mais c'est pas non plus trop gênant. Ça m'a tout l'air d'une tour de surveillance, les restes de la guerre. Elle tire sur tout ce qui est. Je vais m'en sortir. Alors fais attention si. Parce que j'aime bien galérer comme un teubé. Je te rappelle que le docteur Gvasir est quelque part. Il faut qu'on le trouve. What the fuck? Attends, tu sens que c'est clairement que... C'est la merde ici. C'est quoi ce... Ah oui, faut que je te raconte ça, Tyler. Il y avait, quand j'étais faire les soldes à l'espace culturel, t'avais les Destiny 2, tu sais, les Destiny 2 en soldes, ils sont toujours là. Et d'autres espaces culturels, ils sont tellement désespérés d'essayer de les vendre, et ils ont mis à 90 centimes 9 sous blister. Ils sont tellement désespérés qu'ils savent plus les vendre. Bon, là, vous parlez de PC. Alors là, les consoles, ça va être compliqué. Avec tous les cinglés qui sont jetés dessus. Mais aussi, la situation du Covid n'est pas vraiment. C'était pas Quentin qui arrêtait pas de demander si tu voulais jouer à Destiny avec lui. Ah, t'as même pas l'HDMI sur ton écran. Waouh, chaud. Ça doit être une vieille télé que tu dois avoir du coup, pour pas que t'aies l'HDMI. Oui. Bah, de toute façon, pour l'instant, l'intérêt que d'acheter une PS5 actuellement, c'est la rétrocompatibilité. Tu veux jouer à tes jeux PS4 sur une meilleure console, beaucoup plus améliorée, bah t'achètes ta PS5. Mais bon, la rétrocompatibilité PS4 ne vaut pas celle de la Xbox Series X, où c'est vraiment les trois... C'est vraiment toutes les consoles Xbox réunies, quoi. Sony, ils ont vraiment fait une rétrocompatibilité quasi complète de la PS4, quoi. Moi, je vais dire presque complète, enfin, on va dire 99% complète, parce qu'ils ont mis tous les jeux en boîte rétrocompatibles. Les seuls jeux qui sont pas rétrocompatibles, c'est juste des petits jeux à la con, quoi. Bah, sur PS4, t'as quand même un peu plus de jeux que sur Xbox Series X, quand même. Ah oui! Du coup, hypé pour Resident Evil 8, Tyler Raft. Comme toi, je sais que t'adores les Resident Evil.
Franchement, quand j'ai vu l'annonce sur Resident Evil, bon, pourtant je suis pas, j'ai jamais joué au Resident Evil, donc je peux rien dire là-dessus. Mais franchement, les ennemis du 8, ils m'ont l'air franchement bien classe. Merci. Ouais, mais sauf que le PC, si tu sais configurer, faut savoir le configurer le PC. Surtout ça. Et si t'es un gros nul, voilà, faut que je me soigne. Oh ta gueule toi. Tous les ennemis à proximité ont été pacifiés. Veuillez s'approcher du scanner de sécurité. Ouais, après, c'est pas. Tu peux prendre du plaisir, mais c'est surtout comment savoir l'utiliser, surtout ça. Faut pas que tu fasses le con. Et puis le PC c'est vachement coûteux hein, pour quand tu essaies de le configurer, hein. Putain. Oh, il y a quoi là ? Ouais, on peut dire ça, c'est vrai. C'est vrai que Rage 2, c'est le Doom version bidonville. Grâce à elle, une fois en l'air, vous pourrez effectuer un saut supplémentaire défiant la gravité. Mais de moins de bonne qualité hein, que Doom, quand même. Attends, pourquoi la catégorie s'est pas affichée ? Attendez. Excusez-moi. La catégorie c'est pas affiché, c'est pas normal. Ok. Accepté. Allez hop. Bien. Allez. Oh. Les conditions de l'entraînement ont été remplies. Au revoir. C'est tout ? Je suis un peu naze. Je vous avoue. Hey, alors, 500 euros une console, c'est sûr que c'est moins cher. La preuve, je ne ferme pas la porte aux consoles. Je veux toujours une PS5 quand il y aura du stock. Ah bah, ça faudra attendre. Hein. Qu'il y ait du stock. Mais de toute façon, dès qu'il y aura vraiment le stock qu'il faut, il y aura plein de jeux à se faire. D'ailleurs, il y aura plus de jeux. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. Mais bon, vu que moi je suis un consoleux qu'un PC Master Race, c'est sûr que je vais prendre pas mal de plaisir sur console. Attends. Après là, où c'est bien, c'est que les jeux sont moins chers et que ton PC, une fois acheté, t'es pas obligé de tout changer si t'avais une base solide, bien sûr. D'accord. Ouais, bah ce décor, pas incroyable. C'est vrai que graphiquement, le jeu, il est pas incroyable. C'est pas moche, mais on a vu mieux quand même. Toi, je sais que t'as envie de vraiment te lancer sur le PC. Et je te parie qu'il y aura Quentin qui va te saouler pour que tu joues à Minecraft avec lui, vu que lui, il veut rien entendre. En fait, il le sait, mais il veut rien entendre. Est-ce que tu vas faire du Minecraft? Est-ce que tu vas faire du Minecraft? Comme un gosse. La Sainte Trinité PC, PS5, Switch. Ouais, effectivement. Mais Switch, pour l'instant, il manque un peu de jeu. Pour vraiment le... Allez, casse-toi.
Oula. Oh là. Oh là 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 là. Mais je te parie qu'il va actiner. Vu que... Bon après pour la Switch là j'ai pu... Bah là vu que j'étais à fond sur Pokémon Donjon Mystère les... le remake qu'ils ont fait. Bon après je le conseille pas tant que ça. Hein. Je... Parce que ça reste du Pokémon et puis c'est un système de jeu très très particulier. C'est pas pour tout le monde. Mais attends faut aller où là? Attends c'est... Faut aller dans plein de lieux différents. Ouais, 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 effectivement. Oh putain, oh putain. Oh quel con. What? Oh quel con. Ouais, je suis mort, j'ai fait l'imbécile. Alors on parle de ma con. Ah, c'est vrai que toi t'adores la Switch, quelque chose. Attends, faut aller où là? Ah, c'est par là. Ok. C'est un poste de bandit. Par contre, je vais peut-être pas pouvoir rester très longtemps ce soir parce qu'on va. Parce que, avec ma famille, on va fêter l'anniversaire de mon frère. Donc, il se pourrait que je le finisse dans pas très longtemps le live. Mais demain, j'essaierai de faire un peu plus long. Alors, moi j'attends le... Espérons le remake Diamant et Perle. C'est tout ce que j'attends parce que le remake Diamant et Perle me permettra de me vraiment être à fond sur une version Pokémon. Et puis, comme ça, je vais pouvoir vraiment faire la 4G à fond, quoi. Ouais, Smash Bros Ultimate est cool. C'est peut-être pour moi le jeu de combat que je trouve... enfin, le meilleur crossover qui existe parce que... Tu sens clairement qu'ils essayent de faire un jeu vraiment. Ils essaient vraiment d'être le plus proche avec, hey, avec la commune. Vous avez l'air balèze. Ça vous dirait de vous salir les mains? Casser des crânes, dégommer des mutants à la pelle, ce genre de choses? Pas intéressé. Je cherche John Marshall. Ah ouais? Eh ben, il se trouve que c'est lui qui cherche une fine gâchette. On a un problème de mutants à Gunbarrel. On peut rien faire tant qu'on n'a pas réglé cette putain d'infestation. Ouais, on verra. Il est où? Il est au tir à blanc, comme d'habitude. Vous le raterez pas. Vieux, plein de cicatrices, méchant. Le Demon Soul, bah ça je m'en doute. Toi t'as adoré la version PS3, donc c'est sûr que t'as envie de faire le remake. Bon, écoutez pas le faux robot d'accueil. Bienvenue dans les services postaux. Alors, le Smash Ultimate, je l'ai bien apprécié. Mais par contre, le mode histoire, mais il est pourri du cul. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc de merde. Alors que la version Wii était... Le mode histoire était vraiment pas mal, mais là, la version Switch, elle est éclatée. Hein. Je connais ce regard. Je sais pas pourquoi ils ont fait une merde pareille. Hein. Il y a juste les cinématiques qui sont jolies, mais les cinématiques, le problème, t'en as que... Je crois que t'en as que 4-5. Salut bébé. Ta mère que je te recommence. Et... Bienvenue dans Cyberpunk. Oh ouais, mais non, mais moi j'ai quand même réussi à le finir. Mais enfin, sur la Switch de mon frère. Dis, tes infos sont pas mais franchement, c'est non. C'est pas t'es très ouf. Hein. Si tu ne me donnes pas plus d'infos. Je te dis la vérité, Marsh. Vineland est détruite. Ouais. Voyez de la carte par de méchants cybermutants. Je ne te crois pas, Kudo.
Tu veux seulement que je te rince encore à l'œil. Vineland est détruite. Tiens, tu vois, j'avais raison. N'avale pas tout d'un coup. Un ranger. Est-ce qu'il peut être cool pour Mario Kart? Justement, je suis en train d'y penser. C'est peut-être un sorte de Smash, enfin un peu qu'on reprend les personnages tous les personnages de Nintendo, mais au lieu de faire un jeu de combat, c'est un jeu de course. Et que ça soit pas centré sur l'univers Mario. Il peut faire ça en vrai Nintendo. C'est impressionnant. C'est que je commande au Carpe Diem pour avoir une pizza ou un burger? Burger. C'est pas possible. Les défenses de Vineland sont impénétrables. Normal. On les attendait pas. On n'attendait pas l'autorité. Ils sont revenus. J'imagine que tu es là pour le projet DAG. Le problème, c'est que nous aussi on est assiégés. Des mutants. Oui, voilà, c'est ça, justement. Parce que, excusez-moi, j'étais coupé. Non, un nouveau F0, on n'en verra plus. On n'en verra plus. C'est pas la peine d'exespérer, on n'en verra plus. Non, mais je pensais. Non, mais. Pour le burger, c'était ma mère qui me parlait de qu'est-ce que je voulais manger pour l'anniversaire de mon frère. Et vu qu'ils vont faire les commandes. Je reviens tout de suite. Si c'est burger ou pizza, j'ai demandé burger. Oui, donc. Revenons à nos moutons. Oui, donc, vu que dans Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, ils ont mis Link de Zelda et les personnages de Splatoon, ils peuvent mettre tous les autres personnages de Nintendo. Ils peuvent faire ça en vrai. Hein. Et même faire un sorte de Mario Kart, mais enfin, qui s'appellerait même plus Mario Kart. Hein. Un Super Kart Bros. J'espère que vous avez un atout dans votre manche. Non, mais le truc de F-Zero, c'est que c'est trop vieux maintenant. Il y a un courant souterrain dans ces vieux. Oui. Mais l'idée que j'ai, ils peuvent ça. Par contre, ils peuvent le faire. Hein. Et ça serait. Et ça, je pense qu'ils peuvent le faire. Hein. Pour le coup, le truc du principe de Mario Kart. De toute façon, vu qu'on arrive dans une mode où les crossovers sont très présents, ils peuvent ça. Par contre, ils peuvent le faire. On a notre propre courant. Et puis, on trouve toujours un mercenaire engagé si ça part en couille. C'est tout ce que je suis pour vous ? Une mercenaire ? Mais bien sûr. Et ça leur apporterait peut-être plus d'argent. Ça n'a rien à voir. Que. Beaucoup plus coriace. C'était juste pour vérifier, Marshall. Qu'avant avec Mario Kart. Avec seulement Mario Kart. Ils reprennent la qualité de Mario Kart 8 Deluxe. Attends. Excusez-moi. Je pensais que ma main parlait. En fait, ils reprennent la qualité de Mario Kart 8 Deluxe et qu'ils mettent les personnages de Nintendo, en fait. Bon, s'ils mettent pas les personnages de Smash crossover, enfin... Ça serait normal, mais genre qu'ils mettent Samus Aran, Fox... Voilà. Ouais, bah, de toute façon, nous, on est chi, on est tranquille ici, t'inquiète pas. Pokémon, c'est du foutage de gueule avec épée qui ont. Plus sérieux, les crabes. Ah ouais, carrément? Non, ah non, je suis pas d'accord du tout, hein. Ah non, épée et bouclier, ah non, j'ai trouvé ça quand même un peu. Quand même assez propre, hein. Au fait, Marshall, non, je suis pas trop d'accord là-dessus. J'ai fait bouclier, c'est pas. La qualité graphique, non, c'était quand même un PK, faut pas. Non. Je veux bien que le jeu a des défauts, mais pas là-dessus, je suis pas trop d'accord. Scanner de sécurité terminé. Bienvenue dans l'arche. 402A. Ah, ouais, c'est ça, Razor, on me met dans les égouts. Putain, c'est un fusil à pompe. Wow. Fusil à pompe. C'est la première fois que j'en vois un. Ça va être pour les combats rapprochés. Ça va pas trop une masse. Dit tacticiel pour utiliser le fusil à pompe. Une arme imparable au corps à corps pouvant repousser les ennemis. De toute façon, je vais pas tarder à y aller non plus parce que. Moi, je vais sans doute manger plus tôt du coup. Demain, j'essaierai de faire un live plus long du coup. Accepté. On
mode visé de précision, le plomb des cartouches fond pour former une seule cartouche solide qui repousse grandement la cible. Ah oui, c'était propre, surtout quand les arbres ils apparaissent comme par magie devant. Oh bah ça encore, ça c'est un petit détail à la con, mais genre les cinématiques sont, tu vas, vous allez pas me dire, c'est dégueulasse. Tu, par exemple, je vais dire un truc, les vieux Pokémon, enfin quand j'ai revu des vidéos, genre noir et blanc sur DS, maintenant c'est devenu moche, hein. C'est devenu... De toute façon, les jeux Pokémon, au fil du temps, ils vieillissent. Ouais, oui, le manque de doublage. Ça, par contre, je suis d'accord. C'est vrai, mais bon, après, les jeux Pokémon n'ont jamais eu de doublage. Mais c'est vrai qu'ici, ils peuvent faire un doublage, ça peut être... J'avoue que ce serait pas mal. Vieux dégage couloir, hein. On n'en voit plus beaucoup des comme ça. Et y a que toi qui puisses l'utiliser. Dracofeu, petit cotard. J'ai pas fait gaffe. Mais après, Dracofeu, il est pas non plus... très grand non plus en Poké. Il fait quelle taille, Dracofeu? Je vais regarder sur Poképédia. Mais je crois qu'il est pas si grand que ça. Dracofeu, voyons voir. Il fait 1m70. Donc ouais, non, c'est pas, il est pas si grand que ça. Enfin, il est pas si grand que ça. Et faut savoir que bah après, peut-être que tu... Je sais peut-être pourquoi tu as cette sensation de voir Dracofeu plus petit. C'est parce que, vu que les personnages que tu contrôles, c'est très souvent des gosses hein, que tu contrôles, de 10-11 ans, qui sont généralement pas très grands. C'est peut-être cette sensation-là, de trouver Dracofeu trop petit. Et vu que Tarak, c'est un mec qui a vers la vingtaine, je dirais. Donc, vu qu'il est logiquement plus grand qu'un gosse, c'est sûr que t'as peut-être cette sensation, voilà, d'avoir un Dracofeu vraiment tout petit. Alors, Let's Go est très beau graphiquement, mais moi, ce que j'aime pas dans Let's Go, c'est le principe de combat et de capture dans le jeu. Déjà, moi, ce que j'aime pas avec Let's Go, je veux dire, c'est que le problème de Let's Go, c'est que tu peux pas créer une équipe. C'est le seul jeu Pokémon où tu peux pas créer une équipe d'élite. Alors que un truc que j'adore dans Pokémon, c'est avoir ma propre équipe, tu vois, une équipe d'élite du début à la fin. Mais dans Let's Go, tu as trop de mal à faire ça parce que tu peux pas entraîner les Pokémon que tu souhaites puisqu'ils ont enlevé le système de combat contre les Pokémon sauvages. Ça, je trouve ça très con. Ils auraient dû rajouter un mode de capture plus un mode de combat. C'est ça, pour moi, ça a été une énorme erreur de la part de Game Freak avec ce Let's Go, ce Pokémon Let's Go. C'est ça pour, c'est ça qui m'a déçu avec le jeu. Voilà, je sais pas où je vais là. Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est ? Dégage, toi. Oh, ça, sois pas si vulgaire, voyons. Mais c'est vrai que le jeu n'est pas très beau, hein, je suis d'accord. On a vu mieux hein, pour la PS4. Mais bon, après, faut... Après, vu que c'est un jeu que maintenant, il coûte plus rien du tout, faut pas en demander des tonnes, quoi. C'est sûr que si t'avais payé ça 70 balles, ça doit faire mal au cul. Moi je l'ai payé 10€, donc ça me gêne pas tant que ça. Hein. Disons que de base, quand j'achète un jeu à ce prix là, je n'attends rien du tout. Hein. C'était juste histoire de le faire, voilà, je me dis bon. Bon, je vais le faire pour voir s'il est pourri, parce que tout le monde dit qu'il est pourri. Bah, il est pas ouf.
Parce que c'est reste basique, hein, c'est du FPS bourrin. Mais honnêtement, comparé à Gridfall qui m'a fait péter des câbles, celui-ci, je... il passe mieux, je trouve. Parce que c'est du FPS bourrin classique. Hein. Donc, je rage pas, quoi. De toute façon, un jeu qui me fait vraiment rager, c'est vraiment un jeu où je... vraiment que je m'aime, où je... J'ai tendance à vite rage quitte parce qu'il y a trop de défauts. Là, c'est... Ah non, Gridfall, c'est une catastrophe, le jeu. C'est une pure catastrophe. Déjà... Attends. Oula, c'est quoi ce... Attends, on dirait le... Je sais pas si vous voyez le JDG avec Batman et Robin, où ça faisait sombre. Et ça m'avait fait penser à ça quand tu passais le tuyau. Fouille où, là. Gridfall, c'est une catastrophe, le jeu. Déjà, trois trucs impardonnables dans le jeu. Premier, les décors qui se ressemblent. Et franchement, si vous voyez la rediffusion de live, c'est très chaud. À la turbine. La façon comment c'est fait. Les décors qui se répètent. Quand tu vas dans une pièce d'un... Enfin, c'était des rois ou des... On va dire des gouverneurs. Je passe d'un... De la maison d'un gouverneur à un autre. C'est la même entrée, les mêmes escaliers, la même salle. Ça, c'est honteux. Deuxième honte. C'est les capacités. Genre que tu dois débloquer une capacité pour monter. Oula, j'ai plus de munitions. Ça y est, comment on fait pour changer d'arme? C'est là. Ok. Deuxième défaut, le jeu. Oula. Ah, j'affronte déjà un boss? D'accord. Le fait que tu dois débloquer des capacités pour grimper sur des falaises, ça je trouve c'est inadmissible. Ça c'est quelque chose que tu fais plus dans un jeu vidéo. Et le troisième truc qui m'a fait péter les câbles, mais vraiment, et ça c'est le truc le plus honteux dans un action RPG, même Dark Souls le fait pas. Alors que Dark Souls est réputé pour être très dur. En fait, pour ajuster la difficulté, ils ont mis une sorte de barrière aux ennemis. Donc du coup, pour les tuer, il faut je sais pas combien de coups. Et des fois, tu meurs comme un con. Parce que le jeu, il est pas super taffé en termes de maniabilité. Donc t'as une difficulté mal dosée. Et en plus, la maniabilité, elle est... Je veux dire à chier. Hein. Ah non, mais ce jeu, c'est... Et en plus, tu te fais chier dans le jeu. En fait, tu te fais chier. Ça, c'est le genre de jeu que je ne supporte pas. Les jeux, tu te fais chier. Mais que c'est dur parce que la difficulté est mal dosée. Et puis que les développeurs n'en ont rien à foutre de leur jeu. Ça me... Pour moi, c'est le genre de jeu que tu ne fais plus. Tu dois plus faire maintenant. C'est inadmissible. Je crois que c'est l'un des pires jeux que j'ai fait sur PS4. C'est pas le pire, mais... Mais je pense que c'est le deuxième pire. Ah, faut aller par là. Allez, on va tourner la valve. Question, est-ce que je peux sauvegarder? Ah oui, ça va, j'ai une sauvegarde manuelle, ça c'est bien. Ces mutants, c'était pas de la merde, Ranger. Et tu les as tous éclatés. Eh ouais. Mais maintenant, j'ai bien envie de me casser. Ça fait encore plus que dans une fosse sceptique de caserne là-dedans. Ah, mais ça va être facile. Il y a un vieil ascenseur de service quelque part. Il remonte directement dans mon armurerie. Ok. Ok. On va remonter. Le projet Dag. Tu parles d'une vieille époque. Il y avait moi, le docteur Kvasir. Et ton sergent Prolet. Tu la connais, Armina Prolet. C'est elle qui m'a élevé. C'est grâce à elle que je suis devenu la grosse terreur que vous voyez. C'est bien ce que je me disais. Mais. Oula.
C'est quoi ce bruit là? C'est quoi ce cri d'ours? Elle s'en est pas sortie. Elle est morte durant l'attaque. Oh, pardon, Ranger. Mes condoléances. Enfin, ça explique pourquoi t'es là à la place de problème. Tout ce qu'il faut pour écraser l'autorité. Amen. Au fait, comment je dois t'appeler? Appelez-moi Walker. Ok, Walker. Allez, on va aller là. Ranger Walker, voilà. Oui, voici mon armurerie, chef. Ma base d'opération. Je vais pouvoir travailler sur le projet DAG ici. Maintenant que le courant est revenu, j'aurai besoin de ton aide pour 2 ou 3 autres projets. Ouais, tu m'étonnes. Walker, ces projets pourraient t'aider aussi, je te signale. Pendant que je m'occupe du projet DAG, tu ferais bien de te préparer pour le grand cataclysme. Je ne sais pas si t'es au courant, mais pour le projet DAG, tu dois conduire un char trafiqué en plein cœur du QG de l'autorité et balancer à la main un machin à nanotrite meurtrier directement sur le chef, le général Cross. Ça a l'air marrant. Alors je vais me mettre au boulot. T'as intérêt. Je te recontacterai si j'ai besoin de toi. Ok. Mais nous allons faire ça demain, parce que je vais m'arrêter là, du coup. Voilà, si je prends ça... projection de... Ouais. Un chargeur plein, ça peut être pas mal, ça. Ah bah, je peux tout prendre. C'est nickel, ça. Ouais, je prends tout. C'est quoi cette arme de compétence? Un sac de balles. Vas-y, prends ça. Et... Attends, je finis avec ça. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Ouais. Résistance à la douleur. Ah non. Putain, j'ai pas l'habitude. Mais je vais m'en sortir. Voilà. Ce soir, normalement oui. Mais je pense que je viendrai peut-être assez tard sur le live d'Astérion. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser là, du coup, parce que je pense que je vais pas pouvoir rester très longtemps, du coup. Demain, je vais essayer de faire un live plus long, si je peux. Mais ouais, bah, je pense qu'une heure, trois ou quatre, c'est déjà pas mal, je pense. Bah, je vais sauvegarder la partie. Nouvel emplacement. Voilà. Je sauvegarde. Voilà. Du coup, on va reprendre demain. Oh, je vais continuer la suite demain. Pour l'instant, le jeu, ça va en vrai, ça va. Tout le monde dit qu'il est pourri. Mais pour l'instant, le début... Après, c'est le début. Hein. Je le trouve... Il est pas mauvais. Il est pas mauvais pour moi. Il est pas mauvais parce que, bon, il y a des mécaniques de jeu classiques. À la Doom-like, mais c'est vrai que il y a des petits trucs qui vont pas. Enfin, déjà, c'est vrai que graphiquement, le jeu il est pas incroyable, mais pour moi, il est je pense que ce jeu je peux peut-être plus facilement le finir que Gridfall. Déjà, j'ai pas ragé pour commencer. Bon, après, ça va venir hein, la rage, mais ça va, pour l'instant ça va, on verra pour la suite. Allez, je vous dis bon appétit à tout le monde, ceux qui vont aller manger, et on se retrouve demain pour la suite de Rage 2. Salut tout le monde!